gouvernement et du peuple du Niger te remercier très sincèrement d'être venu au Niger. Notre coopération est si dense, et ce depuis longtemps, qu'elle aurait mérité que le Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg se déplace pour venir la célébrer, la magnifier. Vous l'avez fait aujourd'hui, vous m'en avez fait la promesse lorsque je vous ai rendu visite au Luxembourg. Je vous avais dit qu'il y a des moments où les saisons sont très chaudes au Niger, qu'il faut les éviter. Je vous ai en particulier dit de ne pas venir au mois de mai. Vous êtes venu au mois de mai, pratiquement. J'apprécie cet entêtement qui est la preuve de l'engagement qui est le vôtre. Je voudrais que les Nigériens sachent que les citoyens du duché du Luxembourg sont ceux qui prient un à un qu'on sente le plus d'aide au Niger, avec un volume de 144,5 millions pour le programme indicatif de coopération qui est en œuvre en ce moment, qui est mis en œuvre en ce moment pour l'année 2022 jusqu'à l'année 2026. C'est des sommes importantes lorsque on rapporte ça à la population du Luxembourg. Mais même en termes absolus, ce sont des chiffres très importants du niveau des engagements des grands pays. Je voudrais vraiment te remercier d'être venu, parce que je suis convaincu que ton arrivée ici va donner une nouvelle impulsion, va conforter l'effort que vous avez consenti jusqu'à présent. Et nous, humainement, ça nous fait très plaisir d'accueillir un ami, d'accueillir des amis avec votre délégation. Je voudrais également dire aux Nigériens que la coopération du Grand-Duché du Luxembourg a deux volets. Un volet qui concerne ce que nous appelons les services sociaux de base. Son cœur, c'est l'hydraulique. L'hydraulique et l'assainissement, vous êtes un des pays qui consent le plus d'efforts dans ce secteur, qui est un secteur dans lequel les interventions des partenaires ne sont pas à la hauteur de nos besoins. Nous sommes un pays très vaste, avec des populations qui ne sont pas très concentrées, et nous avons besoin d'ouvrages un peu partout, et les ouvrages dans le domaine de l'hydraulique, ils coûtent très cher. Vous êtes le chef de file des bailleurs de fonds dans le domaine de l'hydraulique. C'est à votre honneur. Vous êtes aussi dans le deuxième volet, sur le secteur de l'éducation et de la formation et de l'insertion professionnelle. Là également, vous avez développé une certaine spécialisation où vous avez consenti des ressources importantes que nous saluons. Vous êtes aussi dans d'autres secteurs, de plus en plus dans le secteur de la digitalisation, de la microfinance aussi. Ce sont des secteurs techniques pointus, très nécessaires, efficaces pour les perspectives de notre développement économique. L'un des problèmes que nous avons, nous, du fait de caractéristiques de notre économie, c'est la mobilisation des ressources internes. Et la digitalisation est quelque chose qui peut nous aider particulièrement. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que bien que vous ayez beaucoup fait pour nous et que vous fassiez beaucoup aujourd'hui encore, nous vous demandons de redoubler d'efforts dans ce secteur de la digitalisation où nous aurons besoin de vos ressources, mais aussi nous avons besoin de votre savoir-faire. Vous êtes venu dans votre délégation avec des professionnels dans certains domaines qui sont particulièrement intéressants, les chaînes de froid pour les vaccins, les nouvelles technologies dans un certain nombre de domaines, la cybersécurité, et pas que cela seulement. Ça, ce sont des domaines qui vont être ceux de l'avenir de notre coopération. Je voudrais vraiment, Xavier, te remercier
très sincèrement pour cette visite. J'en suis très heureux. Tu es venu chez moi. Ça me fait énormément plaisir. Je veux que tu le saches. Merci beaucoup. Tout d'abord, permette-moi de te dire l'honneur d'avoir été décoré de ta part, car c'est une reconnaissance de la part de la République du Niger pour le travail, pour la collaboration qui est faite par le Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de bientôt 30 ans avec la République du Niger. Alors c'est vrai, je suis le récipiendaire aujourd'hui en tant que chef du gouvernement, mais c'est tout un pays qui aide le Niger. C'est un pays, et l'aide de la part de cette ONG, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la part de représentants qui travaillent ici, on voit que le Niger est dans le cœur d'un grand nombre de Luxembourgeois. Alors nous sommes venus, nous avons visité tout à l'heure le village artisanal, demain nous irons voir justement un projet au niveau hydraulique, nous irons aussi voir un camp, une région, un centre en fait où des gens trouvent refuge parce qu'ils doivent fuir leur pays. Et donc je tiens à remercier aussi le peuple du Niger qui, déjà dans une situation pas toujours facile, montre que les gens qui veulent survivre ont la possibilité pour dans cette situation de trouver ici plus de paix. Mais je tiens surtout à te remercier personnellement, toi et les responsables politiques du Niger. Car on en a parlé tout à l'heure, la situation sur le continent africain est une situation qui me préoccupe et qui nous préoccupe. Aujourd'hui, le Niger, vous avez réussi à faire une transition démocratique entre deux présidents. Deux mandats, si la Constitution ne permet pas un troisième, veut dire stop. Et qu'après deux mandats, de dire on respecte le choix des électeurs et aujourd'hui avoir un président de la République ici désigné démocratiquement avec un gouvernement et avec une majorité aujourd'hui qui le soutient aussi à l'Assemblée. Ça de manière démocratique. C'est important de le souligner. Car on a l'impression que c'est toujours un automatisme, est une évidence, alors que ce n'est pas partout le cas. Nous avons toujours au Grand-Duché de Luxembourg un grand principe au niveau de la coopération, et je suis très content qu'avec Franz Fayot qui est là, on a toujours voulu ce 3D. Ce 3D qui est une fois le développement, une fois la défense aussi, et la diplomatie. L'un va avec l'autre. Et ici, c'est les trois qui sont importantes. On ne peut pas dire qu'ici, dans cette région du Sahel, ce soit juste la défense, que ce soit juste la diplomatie, ou que ce soit juste le développement. Le succès sont les trois liés à l'un et avec l'autre. Et le Luxembourg croit en ces 3D, croit en sa politique de coopération, croit en sa politique diplomatique, et aussi en la coopération militaire avec les moyens aussi qu'on a. Nous sommes convaincus que d'offrir des perspectives à des générations futures, offrir un futur est le meilleur investissement aussi pour une stabilité. Donc, tu as ici un pays qui a toujours voulu soutenir à travers l'éducation, à travers la formation, à travers la santé, à travers les perspectives qu'on peut donner, et que aujourd'hui, ce pays qui se trouve, et permets-moi de le dire et pas d'être mal compris, dans un triangle de l'insécurité, fait face à d'importants et des défis majeurs, et que vous avez fait preuve d'une détermination, notamment à travers l'engagement de vos forces armées, ici qu'il faut aussi souligner. Et nous, notre Grand-Duché intervient pour soutenir le retour des déplacés aussi internes dans leur village à travers des réalisations hydrauliques et les fournitures d'abris d'urgence aussi, et permettez-moi de souligner aussi la Croix-Rouge. Et plus que jamais, il est important d'assurer la provision des services de base afin de rendre aussi les populations résilientes. Et vous avez remercié le Luxembourg pour leur aide, mais nous, on sait que vous avez des défis beaucoup, très, très grands devant vous. Et un défi que nous avons aussi en commun, c'est le défi climatique.
Nous savons que les répercussions d'un défi climatique, si on ne le prend pas sérieusement, seront aussi énormes. Et je permets de remercier aussi Monsieur le Président pour son engagement à ce niveau-là. Et un autre sujet qui n'est pas climatique, qui n'est pas sécuritaire ni quoi, mais qui est un choix que vous avez fait, qui est celui-ci des jeunes filles. Dans un pays où il est important que la jeune fille ait les choix et des droits. Et c'est quelque chose que nous vous soutenons pleinement. Ce n'est pas nécessairement populaire chez certains, mais c'est nécessaire pour tous. Donc je suis ravi de pouvoir conclure que votre pays est un partenaire important pour que ce Luxembourg, et vous l'avez dit, vous êtes le nouveau pic et le plus important de la coopération luxembourgeoise et pour le Niger, et ce n'est pas un automatisme. Ce sont des choix que l'on fait, mais c'est une reconnaissance aussi pour des choix que vous avez faits. Merci.